des conférences pro-balaises d'extrémistes pour détruire le monde entier, dans lesquelles les cerveaux de la jeunesse arabe sont lavés et leur colère suscitée contre les conditions de la vie. Alors ces cibles sont devenues instabilité. C'est la stratégie malveillante des régimes qataris à travers laquelle elle travaille pour provoquer des conflits et la guerre dans de nombreuses régions du monde. Elle n'est pas rimba le caractère sacré des sang, ni n'a honte de mettre ses jeunes sur la voie de l'extrémisme et de la trahison. Tamim bin Hamad traînait ses jeunes lors d'un rassemblement appelé le Forum de la Renaissance. Par conséquent, le Rusberry est rembellé de bon sexe extrémiste et se transforme en étincelle ardente que le prince de terrorisme utilise pour détruire l'endroit que lui suit. Ce forum terroriste a été créé en 2012, ce qui confirme qu'il a joué un rôle très important dans l'orientation des soulèvements arabes en faveur des programmes malveillants des frères musulmans. Alors la création d'un forum ne se poursuit que lorsque le Moyen-Orient est en état très mauvaise et que la situation dans de nombreux pays de la région est devenue très mauvaise. Le forum vise un bon avenir pour les jeunes et les a convaincus que la sédition est un moyen d'atteindre ses objectifs. Mais la vérité est qu'ils sont d'outils utilisés par le régime d'Al-Hamadain pour atteindre ses propres objectifs. De tant plus que ces outils n'étaient utilisés que dans des pays aux utiles de la politique malveillante qatarienne.